Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis chez moi parce que c'est une saison où les oiseaux ne chantent pas, à part les pigeons et les tourterelles, et aussi parce qu'il y a énormément de vent dehors. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter certaines de mes flûtes que j'emmènerai absolument pas dehors, comme aujourd'hui mon 2.4, qui est une flûte qui m'est très chère, et parce qu'elle m'a été donnée par maître Fukuda Teruiza. Il a même fini exprès pour moi. Donc c'est une flûte qui m'est très précieuse et que je n'emmènerai pas dans les orties et les chardons quand je vais jouer dehors et là-bas. Donc voilà, aujourd'hui donc une petite séance en intérieur et je vais vous jouer la pièce, une pièce qui s'appelle Reibo. C'est une pièce traditionnelle, hein, donc du bouddhisme zen, ce qu'on appelle Ronkyoku. Reibo, c'est une quête spirituelle du son de la cloche du moine Fuke, qui est à l'origine du mouvement zen bouddhiste du Shakuhachi. Même si lui-même n'en jouait pas, le Shakuhachi, selon la légende, a été inventé pour imiter le son de sa cloche. Bon, tout ça très schématisé. C'est une pièce en fait que va me jouer demain un de mes grands élèves. Enfin, ils sont tous grands puisqu'ils sont tous adultes, mais un de mes adultes avancés. Et donc, dans ce cas, il faut bien sûr que moi aussi je travaille la pièce. Donc voilà, c'est ma préparation de cours pour demain dont je vais vous faire profiter. Reibo. Oh.
petite chose à travailler, mais je pense que je suis prête pour mon cours demain. J'espère que cette pièce vous a plu. Bonne journée et à bientôt.